et la prise de décision. En entreprise, les acteurs externes. Mais aussi les transporteurs, les organisations publiques et enfin les voisins. En interne, les acteurs qui influencent les décisions en interne sont les salariés, les dirigeants et les syndicats. Matérialisé par l'organisme. La prise de décision en interne est de deux types. Les décisions stratégiques, plus de 5 ans. Les décisions opérationnelles, plutôt de court terme, moins de 1 an. Les deux méthodes pour faire appliquer les décisions stratégiques. La méthode hiérarchique, le supérieur prend la décision et la transmet au subordonné par la voie hiérarchique. La méthode transversale, suite à la consultation des équipes, le supérieur tranche et prend la décision finale.